L'exorcisme d'Anna Englund. Vous avez vu le facial quand même? Vous avez remarqué là, vous savez déjà comment ça va se terminer pour nous. Ouais, c'est dur en fait. En fait, c'est dur de donner son avis sur un film quand tu n'as vu que, allez, 15 minutes. Et encore, je suis large. Donc en fait, L'exorcisme d'Anna Englund, c'est un film d'horreur normalement. Vous voyez le ton blasé du mec qui n'en peut plus de ce film-là et qui fait une vidéo parce qu'il vous aime. Et oui, je vous aime, merci la France. Donc c'est censé être une histoire vraie d'une fille qui est possédée et qui se retrouve dans un couvent pour se faire déposséder. Donc le film il commence direct par deux versets, deux lectures de versets, de chapitres, de la Bible ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est direct chiant. Voilà, c'est direct chiant, voilà. Donc en plus c'est pas des petites lectures de deux secondes, hein, c'est des versets de 10 lignes. Donc direct c'est chiant, voilà. Ensuite, tu as le droit à 6-7 minutes de musique d'église, complètement triste, déprimante, à chier. Et du coup, pendant ce déroulé de 6-7 minutes, tu vois la meuf possédée sur son lit en train de s'exciter, comme ça. En même temps, c'est entrecoupé de coupures d'images pour afficher le nom des différentes personnes qui ont réalisé ce film. Donc, en fait, tu as la musique triste, donc déprimante, puis tu as hop, kick-off. Kick-off le retour. Donc c'est complètement chiant. Voilà. Du coup tu as quand même une petite voix off. Et du coup j'ai regardé cette scène plus peut-être 2 minutes de où le film commence vraiment. Et là en fait le ton des personnages est complètement dégueulasse. Les mecs ils parlent avec un ton grave, qui sont censés faire peur, mais non, mais ça, en fait ça te fait plus rire et c'est. Surtout pour un film d'aujourd'hui, tu te dis mais non, mais c'était quoi le budget quoi. Donc le mec il dit oui, vous voyez, c'est pas bien de faire ça, comme ça. C'est. Donc du coup film d'horreur, ça casse tout, quoi, t'es direct cassé. Et les acteurs jouent très 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 mal, du coup j'ai arrêté. Franchement, honnêtement, là, déjà c'est 10-15 minutes, c'était un calvaire, un supplice, je ne sais pas comment j'ai survécu. C'est très rare et c'est peut-être une des seules fois où j'ai arrêté un film dès le début. Voilà, dès le début. Donc c'est pour vous dire à quel point ce film, voilà, franchement... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Si quelqu'un a vu la fin de ce film, vous pouvez me spoiler. Ça m'arrangera. Allez, les amis, voilà, c'est court. C'est aussi court que... C'est même plus court, du coup, que ce que j'ai pu regarder du film. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez été comme moi, vous avez arrêté dès le début. Je pensais que ça allait être bien, voilà, exorcisme d'Anne Englund, en plus, histoire vraie, donc j'avais beaucoup d'espoir là-dessus. Mais en fait, non. Donc, complètement déçu. Voilà. Dites-moi votre avis. S'il vous plaît, mettez des pouces rouges, pas pour la vidéo, mais pour la qualité du film. Allez, bye bye les amis. Bisous, bisous.